Et salut à tous et à toutes, c'est tout sous les pas qu'on se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture du coffre de la saison décembre, ainsi que quelques boosters. Je crois que j'en avais une quinzaine, faudrait quand même que je regarde, qu'on vérifie ensemble. Je fais cette vidéo un tout petit peu en retard, voilà, j'ai pas eu le temps avec les fêtes de tourner, je me suis forcé à pas jouer Hearthstone pour pouvoir vous montrer le coffre. Donc on a atteint cette saison le rang 4, enfin on a atteint le rang 3, on a fini rang 4 mais on a atteint le rang 3. J'ai pas eu le temps de tryhard avec les fêtes, j'ai pas eu le temps, donc je suis très content. Ça fait 3 mois qu'on joue, première saison on a fini rang 9 ou 10, je sais plus trop, bon, regardez les vidéos. Deuxième saison on a fini rang... On a fini rang combien? Rang 7? Rang 7 je crois, la dernière saison. Et là on finit rang 3, enfin là c'est marqué 4, mais j'ai atteint le rang 3. Ce qui est... on n'est pas au rang légende, mais on est plus très loin et ça fait grave plaisir. Donc vous faites partie des 1% de joueurs les mieux cotés, c'est sympa. Donc voilà, le petit coffre rang 3. Vous avez obtenu le trésor de Géant des Mers. Ok. Le coffre est en doré. On va voir ce qu'il y a dedans. Rang 3, ça doit être... Je pense que ça doit être pas mal. Je crois que là, c'est le dos de deux autres cartes. Donc je crois qu'on va ouvrir celui-là en premier. Yes. Donc le dos de Thrall. Bah, je pense que c'est celui que je vais mettre hein, pour cette saison. Hein, parce que celui de Noël, bon bah voilà, c'est fini. Hein. Et maintenant on va voir ce que ça nous réserve. Donc, je sais pas ce qu'on peut avoir dans les coffres de ce rang-là. J'espère qu'il y a des trucs assez sympas. Petite épique peut-être. Petite épique dorée, ça ferait plaisir. On va voir ça. On va ouvrir celui-là. Oh cool! Tir robot blindé. Ça c'est une carte que j'utilise avec mon paladin secret, même si je joue pas trop paladin secret en ce moment. C'est sympa en doré. Là. Ok, ça on l'avait déjà eu en doré, je crois, la dernière saison. Oh c'est nul. Ça, ok. Ici. Ouh, ça fait plaisir. Une petite épique dorée. Je vais pas la garder. Alors, votre héros est insensible pour une petite attaque. Je vais pas la garder d'une parce que c'est une carte qui est pas jouée. Hein. Je la vois des fois, mais c'est très très rare que je la vois. Et de plus, je l'ai déjà en épique. Donc celle-là, je vais la daze. Ça va me faire 400 poussières, c'est ouais, 400 poussières. C'est comme si j'avais eu une légendaire, en fait, là, si je me trompe pas. Parce que légendaire pour la crafter, c'est 400. Donc pour la daze en doré, c'est 400. Ouais. 400 poussières, donc c'est génial. Et là, ça il aurait pu le garder quoi, 15 poussières arcaniques. Non, ça fait plaisir, en gros ça fait quasiment 500 poussières, c'est pas mal. Franchement c'est un bon coffre, ça fait plaisir. J'ai hâte de voir, enfin si j'y arrive un jour, qu'est-ce que ça nous donne un coffre rang légende. Du coup j'obtiens 22 étoiles bonus, ça va me mettre dans les rangs combien ça? Dans les rangs 12? Ah 17, ah oui d'accord j'étais loin. 17, oui bon, on va remonter ça tranquillement. Les petites quêtes, vous voyez comme quoi je vous dis j'ai pas pu jouer ces derniers jours. Ça c'est bien par contre, j'en ai un avec 100 gold, ça c'est bien, je vais faire ça tout à l'heure. Donc 15 paquets, c'est bien ça. Allez. Je vais pas vous faire attendre plus longtemps. Donc j'en ai 5 de chaque, sachant que depuis que j'ai ouvert les derniers boosters, ou je vous ai ouvert 10 boosters de plus, j'en ai craft, enfin j'ai réussi à en récupérer une vingtaine de boosters, mais j'en ouvre un de temps en temps de mon côté, voilà, j'ai rien eu. Hein. J'ai rien eu, mais des fois j'aime bien ouvrir un de mon côté. Donc 5 de chaque, les 5 là c'est quasiment moi qui les ai payés avec le gold, et le reste c'est les arènes, j'ai fait beaucoup d'arènes. D'ailleurs j'ai des vidéos d'arènes à vous montrer. J'ai fait beaucoup d'arènes ces derniers temps et j'ai été assez loin à chaque fois donc j'ai pu avoir pas mal de choses. On va commencer par ceux-là, c'est ceux que j'aime le... ceux qui m'intéressent le moins. Donc le but c'est une légendaire bien sûr, mais en 15 boosters ça va être compliqué. C'est possible mais ça va être compliqué, mais j'aimerais bien avoir au moins 3 ou 4 épiques, ça me ferait plaisir. Voilà. Allez, là on a rien, là on a rien. Hop. Ok, bon, petit booster tranquille. Ok. On m'a dit qu'avec espace on pouvait... Ah ouais voilà, ok. Ah nickel. Moi je savais pas que c'était avec espace qu'on faisait ça. Ok. Ok. Bon. Pour l'instant ça commence doucement. Peut-être qu'on aura rien. Hein. C'est que 15 boosters. Donc. En plus c'est pas 15 boosters d'une seule sorte. C'est encore moins... Il y a encore moins de chance du coup. Allez! Oh c'est pas drôle. C'est pas très grave. Hein. Ça fait toujours de la poussière. Hein. Alors, toujours rien. Ah, je crois que je l'avais pas cette carte là. C'est une carte qui est vachement intéressante en arène. Après, pour la guerre, je suis pas sûr que ça serve à grand chose. Ok. Et en rare, les options de Diablotin. C'est pas comme si on l'avait 50 fois. Ok, ensuite on va ouvrir ces paquets là. Le grand tournoi. Alors, ok. J'ai moins de cartes dans le grand tournoi vu que je joue que des paquets classiques, donc je suis sûr que là il y a des cartes que j'ai pas, ça me dit rien du tout. Enfin je me trompe peut-être hein, mais.
Et... Aïe aïe. J'avais dit 3-4 épiques, on en a même pas... Ah. Fallait qu'on en parle. Fallait qu'on en parle. On a deux rares et une épique. Franchement, c'est bien, ça faut avoir une dorée, ça serait cool, une petite épique dorée. Ok. Ok. C'est une rare, ça, je savais même pas. Épique. Bon, pas de dorée, dommage. Par contre, j'avais pas cette carte. Détruit tous les serviteurs, acceptez les serviteurs ayant l'attaque la plus élevée pour chaque joueur. Ah si, je l'ai cette carte. Bon, c'est pas terrible. Allez. Ah. Yes! Oh! Oh! Oh yes! C'est la magie de... La magie de Noël. Ce n'est plus Noël, mais... Et là, c'est très rare. Waouh! On a une petite légendaire. En plus, c'est dans le grand tournoi. Dans le grand tournoi, je... Je sais pas si j'ai des légendaires, mais je veux pas en avoir beaucoup si j'en ai. C'est vrai que dans les paquets classiques, j'ai quasiment toutes les légendaires. Hein. J'ai réussi à me crafter Isera, Lexraza, Antoinidas, enfin tous ceux que j'avais pas quasiment. En grosse légendaire de paquet classique qui m'a montré Ranaros, ça va voir, mais Ranaros est de moins en moins joué. Allez, peu importe ce que c'est, ça fera trop plaisir franchement. Et c'est gueule de la cible, d'accord. Chaque fois qu'un autre serviteur subit des dégâts, le détruit. Chaque fois qu'un autre serviteur subit des dégâts, le détruit. D'accord, regarde, donc à chaque fois qu'un serviteur prend des dégâts, si cette carte est en jeu, ça le détruit, d'accord. Oui, parce que sinon, pour une 7 de mana, pour une 4-2 pour 7 de mana, c'est un peu de la merde. Bon, elle est pas jouée cette carte, hein. C'est sûr, elle est pas jouée. Mais je m'en fous, c'est une légendaire, j'avais pas, donc franchement, je suis content. Bon, toujours pas de légendaire gold. 15. J'aurais dû m'être en occupé. Je aveugle. J'ai pris la pire. Allez, on continue. On a encore 7 boosters. J'avoue que cette carte apparemment est très pourrie de ce qu'il vient de me dire. Mais bon, je m'en fous, je l'avais pas. Bon, c'est sûr, ça aurait été mieux d'en avoir une utile. Et alors là, je vais pas me plaindre du tout. Oh, une petite commune dorée. Comme je vous disais, j'ai jamais de rare en doré, ni d'épique. C'est toujours des communes. Oh. Oh. Un bon booster malgré tout. Ah là franchement je suis revenu, légendaire. Tac tac tac, ok, deux petits rares là. Le maître des scrims. Oh, une rare dorée, j'étais mauvaise langue, maître jouteur. Ça c'est une carte vraiment monstrueuse en arène. Alors, j'adore prendre cette carte. Je réponds parce que sinon j'aurais dû m'être en occupé. Mais en arène elle est monstrueuse, après en ladder c'est moins sympa. Évidemment si on gagne la joute c'est monstrueux, hein. Mais si on gagne pas la joute en ladder c'est un peu pourri. Mais en arène c'est trop trop bien. Moi j'aime bien cette carte en arène. Allez, on commence les paquets classiques, on en a 5. On sait jamais. On peut avoir un petit truc encore, un petit épique. Si on a une légendaire et qu'on a gros mâche, je démissionne. Non là, je veux pas gros mâche, c'est bon, j'en veux plus de gros mâche. Enfin si je l'ai, je serai quand même content. Hein. Ça fera de la poussière. Oh. Bon, tout ça c'est de la poussière, je pense qu'il manque aucune carte à part les légendaires hein, maintenant. Petit défenseur d'Argus, une carte qui est très utile. Bon là déjà évidemment. Allez, allez la légendaire elle est où? Elle est là, elle est là. Oh épique. Allez une épique dorée, on y croit les amis, allez. Oh, c'est pas gentil. Le kidnapper. C'est un peu de rarement des cartes pourries mais bon. Ça fera de la poussière. Enfin, je ne savais pas si j'avais cette carte. Allez, dernier booster. Bon, on a eu une épique avant, à mon avis. On peut encore en avoir une. Yeah. Du coup on aura eu 3 épiques, c'est ce que je voulais, plus une légendaire, franchement ouverture de fou. Ça fait plaisir, ça fait du bien. Ça fait du bien. Et une petite épique, qu'est-ce qu'on peut avoir comme épique? Un géant par exemple, un géant des meilleurs, quelque chose comme ça. Yep, plef funeste. Ok, on démolisse. Je crois que j'avais pas cette carte, c'est vous dire. Hop. Plutôt cool. On va aller death tout ça et on va voir comment ça va nous faire de poussière. Ah c'est cool, on a une légendaire, bon apparemment de ce qu'on m'a dit c'est la plus nulle qui existe. Mais à partir du moment où je l'ai pas c'est bien parce que quand je retomberai dessus bah, ça fera de la poussière tout simplement. Par contre ça bug un peu là-bas. Hop, on va là. Et ça fait 450, voilà, 455. Voilà donc une épique, 7 rares et 43 communes. En tout cas j'espère que cette ouverture de booster vous a plu. 3 épiques, une légendaire en 15 boosters, franchement on peut pas beaucoup demander mieux, bon. Une dorée, ça aurait été fait plaisir. On a toujours pas eu de légendaire dorée en 4 mois de jeu presque. C'est un peu triste, mais bon. Apparemment, c'est très dur à avoir. Et on se retrouve, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, ça fait plaisir. Et on se retrouve très vite. Bye bye tout le monde, ciao ciao.